Madame et Monsieur, bonjour. Je m'appelle Yango et j'ai encore été choisi pour vous donner le message de Dieu. Ce message a pour thème: fais attention à tes songes. Fais attention à tes songes. Tu as dit, mais pourquoi est-ce que je dois faire attention à mes songes? Tu dois faire attention à tes songes pour deux éléments que nous avons choisis aujourd'hui. Le premier élément est que c'est Dieu qui te parle. Dieu te parle au travers de quoi? Tes songes. Il te révèle l'avenir. Et le deuxième élément, c'est tout simplement parce qu'à cause de tes songes, tu risques d'avoir des ennemis. Et ces ennemis-là, ils seront propulsés par le diable, le malin, le mauvais esprit. Au travers d'un songe, Dieu nous révèle beaucoup de choses. Quand un jeune homme vient au monde, il ne sait rien de ce qui va se passer dans sa vie. Mais il peut arriver que Dieu, par sa grâce, lui révèle quelque chose d'assez étrange, d'assez particulier. Par exemple ici, Joseph, il va avoir un songe un jour. Et à cause de son songe, il aura des problèmes dans sa famille. Nous allons découvrir cette histoire dans Genèse 37, versets 5 à 8. Au verset 5, on a dit: Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Ah, quel est le problème? Tu vois, sans doute te dire, mais quel est le problème avec son songe? C'est quel songe il a eu au juste pour que ses frères se positionnent contre lui? Qu'est-ce qui ne va pas? Quand on va plus loin, on va en savoir plus. On nous dit, il a dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. C'est là qu'il va commencer à l'expliquer. Il n'avait pas encore commencé, déjà ils sont fâchés. Mais on nous dit plus loin pour en savoir plus. On nous dit, il dit, voici ce que j'ai vu. Il dit, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle, devant elle. Ah, ça c'est son songe qu'il a eu. Il y a des éléments qui peuvent nous permettre de comprendre ça. Se prosterner devant. Ah, il dit vos gerbes. Il dit moi, c'est comme... On a, nous tous, chacun de nous là, chacun, c'est-à-dire moi je représente un arbre, toi aussi tu as ton arbre. Et puis comment se fait-il que tous les arbres qui sont devant moi vont venir se positionner devant moi? C'est pas possible, je ne suis même pas l'aîné. Comment ça se fait? C'est pas là que tu cherches ou quoi? Voici comment ses frères vont commencer à se poser des questions assez bizarres. Et lui va prendre la parole pour dire, on nous dit d'abord au verset 8, on nous dit: ses frères lui dit, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, ses frères se sentaient menacés. Ils savent que quand Dieu parle en songe, c'est que ce qu'il a dit va s'accomplir. Donc, ils ont quand même peur. Ils se disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va se passer? Le petit là, le petit qu'on a fait grandir ici, là, il va nous dominer. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est pas possible. Et c'est là maintenant, la guerre va commencer. La suite, vous la connaissez. C'est là la guerre va commencer. Mais c'est dans cette guerre-là va s'accomplir tout ce que Dieu a annoncé dans sa parole. C'est quand même étrange. Ça veut tout simplement dire que quand tu t'endors et que tu as des songes aussi,
Fais attention à qui tu racontes tes songes. À qui tu te confies. C'est comme si on disait même que tes projets, c'est comme tes songes, ça veut dire ici quoi? Tes projets. C'est à qui tu racontes tes projets là. Dieu te dit ce matin de faire attention. C'est pas tout le monde qui t'aime. Il y a des gens qui sont là, qui vont te combattre d'une manière ou d'une autre. Tu peux lui dire que oh, bientôt je me marie. La fille se raconte que oh, tu es jolie. Mais derrière, va aller voir un féticheur pour dire non, c'est pas possible. On marche ensemble, mais elle ne peut pas se marier avant moi quand même. C'est moi la plus belle. Comment c'est possible? C'est comme ça que ça se passe. Il y a des jaloux. C'est comme une de vrais amis, deux femmes. Elles étaient ensemble. Tout le monde au quartier sait qu'elles sont inséparables. Tout le monde. Mais un jour, voici un truc intéressant qui va se produire dans la vie d'une d'elles. C'est que elle, dans son job, là, dans son boulot, on va lui donner un pied d'avion pour qu'elle effectue un voyage. Elle a fait un bon business et voilà, revenu plus tard. Donc elle aussi, elle était contente, c'est une bonne nouvelle à partager. À qui? À nos amis, sur Facebook, sur Instagram. C'est ce qu'on fait. Oh, il y a des ennemis même qui sont là-bas qui nous attendent. Toi-même, tu as de te vendre même. Elle a venu dire ça à sa meilleure amie. Ah, je suis en joie aujourd'hui. Mais quel est le problème? Sa meilleure amie va bien écouter son projet, ce qu'elle a comme information, comme bonne nouvelle. Bientôt, je voyage. Je vais travailler quelque part. Je vais en Europe. Ah, c'est bien. Oh, c'est bien. Franchement, je suis content pour elle. Les deux vont se mettre en joie. À rigoler, c'est-à-dire à manifester, à célébrer cet événement-là. Et le jour qui va suivre, sa meilleure amie à qui elle a raconté cette histoire-là, elle va aller voir son chef pour dire à son chef que cette femme-là, elle n'est pas sérieuse. Il dit, ah, mais comment tu me parles de ça? Elle dit, moi-même, je suis sa meilleure amie. Si elle te dit qu'elle n'est pas sérieuse, il faut me croire. Le monsieur est bloqué. Mais c'est sa meilleure amie. C'est sa meilleure amie. Quelqu'un m'a dit, mais ce sont ses frères, c'est sa soeur. Si moi, je suis une inconnue. Peut-être que c'est l'apparence qui a fait que j'ai... Peut-être qu'elle m'a blagué. Ah! Maintenant, sa meilleure amie veut me dire tout pareil. Qu'est-ce que je dois faire? Sans ce moment-là, cet homme va commencer à réfléchir sur le cas. Parce que c'est de l'argent. Le billet d'avion... On doit voyager. Comment on va faire? Le jour qui a suivi, là, quand la femme est venue, il a annulé le voyage. Il a commencé à tout gâter jusqu'à la femme. Elle sentait que c'était fini. Elle devait maintenant rembourser cet argent à ce monsieur-là. Heureusement qu'elle n'avait pas fait quelque chose de mauvais avec. Elle a pu rembourser à temps. Et elle est retournée voir encore sa meilleure amie. Il faut la voir en train de pleurer là-bas. Ah, regarde ce qui m'arrive! Quel malheur, quel problème. Regarde ce qui m'arrive. Elle dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, mais je t'avais annoncé qu'il devait voyager, non? Regarde ce qui se passe. Il a annulé le voyage, je ne sais pas pourquoi. Ah, qui n'aime pas mon bien? Eh, mes ennemis. Oh, mes ennemis. Il faut voir sa camarade qui a gâté l'affaire là, qui a été de pleurer à elle. Eh, ils sont vaincus au nom de Jésus. Dieu va les mettre le feu aujourd'hui. Non, allons prier même. Oh, c'est tellement à la base de ça. Et fou la voix en train de pleurer, en train de crier avec sa camarade. C'est exactement la même chose qui se passe ici. C'est la même chose. Nous avons des ennemis. Même ton meilleur ami, ta meilleure amie là, elle peut devenir ton ennemi. C'est comme ça, c'est tout d'esprit. Un esprit peut quitter là-bas pour venir un peu en elle comme ça. Parce que cet esprit-là ne veut pas te voir en joie. C'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. Ah, sur la terre là, nous sommes des mondes trop compliqués d'elle. Maintenant, voici un truc bizarre qui va se produire. Un jour, les deux vont se retrouver dans une église pour essayer de voir un homme de Dieu pour qu'on règle la situation. Dès que les deux vont arriver à l'église là, l'homme de Dieu va voir la femme. Ah! Il va directement poser la question de ça, mais dis-moi, est-ce que tu es une amie, tu es une camarade?
Oui, ma meilleure amie, elle est même ici. Elle est où? Dans la salle, là, même ici. Faut l'appeler, s'il te plaît. L'homme de Dieu regarde la femme, là, il regarde sa camarade, il regarde la femme. Tout le monde est étonné. Pourquoi tu regardes les deux comme ça? Et il pose la question à sa camarade qui a gâté l'affaire. Il lui dit, mais pourquoi? Elle est étonnée, elle ne comprend pas. Elle ne sait pas que ce qu'elle a fait en secret, là, Dieu a vu. Et il a la possibilité de révéler ça à celui-là mais qu'il a choisi. Ça veut dire que le cas de cette fille-là n'avait pas besoin de prière. Le problème, c'était son ami. Donc son démon, là, c'était son ami. Celle à qui elle se confie, là. Ah! Elle-même, elle est là. Elle ne comprend pas pourquoi l'homme de Dieu lui-même est tenté d'agresser même sa camarade. Mais homme de Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Faut la laisser, c'est ma meilleure amie. Hein? Seulement, on se connaît. Depuis longtemps, on boit ensemble. Il dit, la femme donc que tu appelles ton ami, là, c'est elle-même qui a gâté ton truc, ton affaire. C'est elle-même qui a lui. Il a tout versé devant. Est-ce que c'est faux? Dieu est là. Si elle dit c'est faux, elle aura des problèmes. C'est en ce moment-là, elle a révélé, elle a dit toute la vérité à sa camarade. Par là-bas, commencer à l'église. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, vous-même, vous allez imaginer la suite. Que Dieu vous bénisse.